Salut à tous, aujourd'hui un peu de pipe, 360, une rotation complète avec une réception dans la courbe en switch. En pipe, un tour sur toi-même dans la courbe d'un pipe. À l'inverse d'un 3-6 sur un kick, en pipe, on réceptionne un 3-6 en switch. C'est techniquement un 180 en pipe, plus un 180. Épisode 6 de la saison 1, plus épisode 4 de la saison 1. Je te le conseille de le bosser dans la fin du pipe, là où la courbe est plus petite. Pas besoin de sortir du coping pour tes premiers essais. Je vais décomposer cet épisode en 3 points importants. La sortie de la courbe, le dernier 180 et la réception. Point numéro 1. Au sommet de la courbe, lorsque tu arrives presque à l'arrêt, fais une très légère extension en conservant ton cap avec les skis. Les épaules et les bras commencent à engager la rotation du 180 doucement. Monte alors légèrement les genoux, garde les mains devant toi et conserve cette attitude groupée et compacte. Point numéro 2, le premier 180 terminé, la réception en vue, engage alors la rotation du 180 avec les épaules et les bras. Laisse un peu traîner la rotation avec les pieds. Ceci va te permettre de gérer au mieux le moment où tu devras poser les skis dans la courbe. Point numéro 3, ne quitte pas la réception des yeux. Réceptionne le corps au-dessus des pieds, chevilles et genoux fléchis. Le pied décalé du côté où tu regardes. Les points importants sont pas de grosses poussées ni de précipitations lors du premier 180. À la fin du premier 180, engage alors le deuxième. Et finalement, ne quitte pas la réception des yeux. Réceptionne le corps au-dessus des pieds, chevilles et genoux fléchis, le pied décalé du côté où tu regardes. Et maintenant, à vous de jouer. N'oubliez pas la sécurité, le port du casque, la protection dorsale, et un saut adapté à votre niveau, ce qui est bien.